Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du rendez-vous de la réaction, euh, dans lequel, dans une première partie, nous parlerons de ce qui a été inventé pour essayer d'éradiquer la messe catholique, à savoir euh, la fausse messe Paul VI. Et dans une deuxième partie, nous parlerons du film de Gadel Mallet, euh, et de toutes les réflexions euh, que cela euh, inspire aux catholiques. Je vous avertis que l'émission de ce soir sera. Longue et elle sera dense. Donc je vous demande de faire preuve de patience et de ne pas hésiter à la visionner plusieurs fois pour assimiler. Ce soir, Pierre de, de Tirement est à mes côtés à la technique. Bonsoir. Et je crois, Pierre de Tiremont, que vous vous joignez à moi pour souhaiter une excellente et sanctifiante année à tout le monde. Bonne année. Alors, chers amis, vous le savez, euh, avant euh, de commencer sur les sujets, euh, du soir, quelques petites annonces pour faire euh, vivre la cause, pour agréger la qualité française. Euh, donc tout d'abord, eh euh, si vous cherchez un bon bouquin catholique ou contre-révolutionnaire, n'hésitez pas à aller chez nos amis du collectif Saint-Robert-Bellarm. Ces, ces derniers ont d'ailleurs réédité il y a peu. Euh, le catéchisme euh, de Saint-Pédis de 1905, donc le grand catéchisme de Saint-Pédis, traduit par le révérend père, je suppose que JB c'est pour Jean-Baptiste Villemin. Donc ce catéchisme, euh, nous dit-on, euh, par lettre en date du 15 juin 1905, euh, adressé euh, au cardinal Vicaire, Monseigneur Respighi, donc sa sainteté, le pape Saint-Pédis, l'impose au diocèse de la province romaine. Euh, et c'était un catéchisme qui était déjà en usage euh, depuis plusieurs années, donc dans le Piémont, la Ligurie, euh, l'Émilie et la Toscane. Voilà. Donc je précise que c'est euh, du travail de pro. Euh, le livre est très très beau, page cartonnée. Euh, voilà, donc c'était un petit peu sous le même modèle que celui du euh, catéchisme du chanoine Moisset. Voilà, donc c'est vraiment un livre euh, très beau, très propre. Donc, vous pouvez trouver le bouquin sur le site de nos amis du collectif euh, Saint-Robert-Bélarmin. Euh, autre publicité chers amis, euh, on va parler musique ce soir, donc c'est euh, pour une artiste catholique qui s'appelle Fleur d'Épine. on mettra, Pierre-Tiramont, on a oublié de la mettre, euh, la, le lien de sa chaîne YouTube, euh, et donc qui sort cet, ouvre, cet ouvrage, lapsus, pardonnez-moi, qui sort ce disque, Flamme Vaillante, donc c'est une musique, euh, ce sont des chants catholiques contre-révolutionnaires. Parfois il y a des mélodies qui nous, qui nous font penser un petit peu à des airs médiévaux. Ça s'écoute très facilement, c'est facile d'accès et en même temps c'est raffiné. Donc voilà, je vous invite à découvrir cet artiste. Et vous pouvez acheter euh, cet album si vous le cherchez sur le site de notre camarade Daniel des éditions Clotilde 10. Voilà. Alors, je crois qu'il y a en description d'ores et déjà Pierre le lien pour acheter le CD. Mais je, crois, je le répète, hein, il y a des extraits d'ores et déjà sur Youtube. Euh, voilà pour ce qui est des annonces, donc aussi, euh, bah écoutez, hein, on soutient les chaînes amies, hein, la chaîne d'Alain Pascal, euh, voilà, euh, les nouvelles chaînes qui viennent d'émerger, euh, donc il y a La Vérité Catholique, hein, qui est une chaîne québécoise, euh, la chaîne de Catholiques Provençales et Idées de Lecture Catholique, et puis sinon vous connaissez les classiques, hein, euh, Chute de Sardes, etc. Euh, ah oui, alors, bonne nouvelle chers amis, on a eu un petit cadeau de Noël euh, au niveau de l'apostolat puisque donc un ex-youtuber, lefévriste, donc, qui a pour pseudo Maccabé, qui avait fait une vidéo qui a fait parler d'elle sur la liberté religieuse, euh, eh bien euh, quitte la Fraternité Saint-Pédis euh, et euh, adopte officiellement la position d'Anonagoum. Il a fait une vidéo à ce sujet qui s'appelle « Adieu à la Fraternité Saint-Pédis » et il s'explique dans cette vidéo, et nous avons mis le lien en description. Je vous invite euh, à voir cette vidéo et à soutenir l'intéressé pour bien montrer qu'il n'est pas seul dans son combat. C'est un cheminement qui est intéressant. Pourquoi Qu'est-ce que le lefévrisme Le lefévrisme, c'est une paix forcée avec le mal. C'est une paix forcée avec le modernisme. C'est une cohabitation, l'unakoum, hein, ils sont en communion avec le modernisme. À partir du moment où Maccabé euh, sortait euh, l'épée du fourreau pour partir au combat, eh bien, il rompait le pacte, je dirais, du lefévrisme. Puisque, comme je vous dit, le dis, le lefévrisme sert à neutraliser la résistance. Donc, à partir du moment où on part à l'attaque, on part à la guerre, eh bien, il faisait un pas, je dirais, dans la bonne direction. Le lefévrisme n'est pas en guerre. Nous, catholiques, nous sommes en guerre contre le modernisme, contre l'erreur, contre l'hérésie, etc. Voilà, donc je vous invite à aller voir cette vidéo qui est très intéressante, où il explique pourquoi il a été contraint euh, de dire adieu à la Fraternité Saint-Pilice. Boostez la vidéo et partagez-la à fond. N'oubliez pas, chers amis, que vous avez un pouvoir gigantesque, bien plus important que le droit de vote. Ce pouvoir, c'est de diffuser la vérité. Faites-le, profitez-en. Voilà, donc vous partagez, vous mettez des pouces bleus, vous commentez. Euh, il faut booster un, euh, un max les algorithmes. Voilà. Alors, aussi quelques appels aux dons, les appels aux dons habituels. Hein. Donc, appel aux dons, euh, Belgique, appel aux dons pour une école en Belgique, l'école des Trois-Saint-Jean. Appel aux dons pour une école en Bretagne, dans la commune de Béton, Notre-Dame Auxiliatrice. Tous les liens sont dans la description si je ne dis pas de bêtises, pierrot et aussi n'hésitez pas à faire un don à nos amis de l'œuvre de l'étoile, une, com une communauté catholique du sud de la France. Alors, comme vous le savez aussi, chers amis, euh, l'abbé Ratzinger, enfin Benoît XVI, euh, de son, enfin, il est connu sous ce nom-là, euh, est décédé il y a quelques jours de cela. J'espère qu'avant de mourir, il a pu abjurer son modernisme. Et tout le mal qu'il a fait en, en qualité de pilier, je dirais, de la secte conciliaire. Il y a deux mois de ça, à peu près, nous avions fait une émission précisément sur le modernisme de Benoît XVI. Je vous invite, chers amis, à aller la voir pour avoir une idée précise du personnage et de tout le mal qu'il a fait, justement pour la diffusion du modernisme et de voir toutes les hérésies qu'il a euh, soutenues. Nous l'avons mis en description, je crois qu'on a appelé euh, émission sur Benoît XVI, je crois, périodiquement. Donc, si vous ne l'avez pas vue, vraiment, je vous invite à aller la voir. D'ailleurs, à ce sujet, dans la description, à la fin, nous avons mis 10 vidéos. Et ce sont 10 vidéos que nous avons faites ici, à ce micro, pour la défense de la foi. Et si vous nous découvrez, eh ben, je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée pour vous. Donc je vous invite à aller les voir. Voilà. Voilà pour ce des vidéos. Alors aussi, n'hésitez hein, pas à soutenir la chaîne YouTube Défense de la foi. Donc dans Défense de la foi... Nous prenons des extraits de ces vidéos et nous en faisons des petites vidéos, parfois avec des montages, à des fins pédagogiques, puisque les sujets qu'on aborde ne sont pas toujours simples. Donc, pour faciliter la, la tâche et pour vous apporter un plat tout chaud, parfois, bah, nous faisons ces vidéos pédagogiques. Donc, je vous invite vraiment euh, à aller les voir et à soutenir cette chaîne. Et je remercie euh, la personne qui s'en occupe. Voilà. Eh bah, bien, écoutez, je pense qu'on peut attaquer le premier sujet, mon cher Pierre Le Et oui, nous pouvons. Ah non, j'ai oublié de dire un truc. Pardonnez-moi. Benoît XVI a fait publier, enfin, pardonnez-moi non, c'est le site du Vatican a publié le testament spirituel de Benoît XVI. Hélas, l'intéressé n'y abjure pas son modernisme. Et son testament spirituel ressemble plutôt, je dirais, à un discours de remerciement que l'on dit lorsqu'on reçoit un Oscar ou un Ballon d'Or, si vous voulez. Hein, Puisqu'il ne fait que des remerciements, etc. Donc bon. Mais... Dans ce texte, il y a un monument, si ce n'est d'hypocrisie, en tout cas d'aveuglement, puisqu'il incite les gens à ne pas se laisser impressionner par les hypothèses scientifiques qui sont en contradiction avec la foi. Et là, je rigole un peu. Pourquoi euh, Pour deux raisons. C'est que je renvoie à mon émission sur la catéchèse conciliaire c'est que les conciliaires enseignent. Un maximum autant qu'on peut que la Bible, par exemple que la Genèse n'est pas un livre historique, c'est ce qui est enseigné dans les catéchismes conciliaires, si vous voulez. Et par ailleurs, il y a une arme de guerre contre la foi qui s'appelle le darwinisme et qui est une hypothèse fausse d'ailleurs scientifique. Bon, que fait la secte contre cette machine de guerre euh, contre la foi et, et donc pour l'athéisme Réponse elle ne fait rien. Elle ne fait rien. Voilà. Mais on pourrait évoquer aussi. Euh, ses ambiguïtés sur la question euh, du linceul de Turin, etc. Donc, quand on lit ça sous la plume de Benoît XVI, euh, on rit jaune, hein, on rit, on rit assez jaune. Voilà. Bref, bah écoutez, euh, on peut attaquer avec quelques réflexions. Donc, c'est le premier thème du soir euh, sur la messe, euh, la fausse messe Paul VI. Alors, il y a un an de ça déjà, chers amis, le temps passe vite. Nous avions fait une émission sur le livre de l'abbé Tchekada. Il faut dire Tchekada puisqu'il était d'origine croate, on m'a fait la réflexion récemment. Une relecture de cet ouvrage m'a convaincu que j'avais très insuffisamment parlé de son contenu. Donc l'émission de ce soir vise à remédier à cela. Le but de la manœuvre étant de démontrer qu'il est impropre de parler de messe pour la fausse messe Paul VI, pour le culte montigny. Il est impropre de parler de messe parce que, déjà, ce rite ne se définit pas comme tel quasiment. En outre, ce rite est invalide. Et enfin, c'est un rite qui est totalement protestantisé. Alors, dans son encyclique Mediator Dei, Pie XII nous disait citation que le culte qui est rendu est une profession continue de foi catholique. Si Vatican II n'avait pas accouché d'un faux culte, les fidèles auraient donc continué à s'abreuver de la foi catholique par le canal de la messe. Et ça, c'était intolérable pour la secte. Donc pour remédier à cela, on a créé un faux culte, le culte de l'homme, le culte du salut universel. Et ainsi, hebdomadairement, on a pu professer la religion moderniste du salut universel. Ce faux culte euh, ne s'est pas fait en un jour. Il s'est, je dirais, bâti sur le long terme, par la méthode des petits pas. Et une autre méthode a été utilisée pour imposer ce faux culte. C'est ce que j'appelle le remplacement systématique du principe par l'exception. Le remplacement systématique le remplacement systématique du principe par l'exception. Qu'est-ce que c'est que cette méthode Elle est fort simple. Elle consiste dans un premier temps à rappeler, pour rassurer les, les, les conciliaires conservateurs, donc à rappeler un principe de l'enseignement de l'Église, et parallèlement à accorder systématiquement une dérogation à ce principe. Et ensuite, dans un second temps, cette exception se généralise et balaie de facto le principe. Prenons un exemple, la communion dans la main. La communion dans la main est imposée par une instruction de 1969. Dans cette instruction, il est rappelé que le principe, c'est la communion à genoux et sur la langue. Mais, on accorde une dérogation qui est la communion dans la main. Et au final, la dérogation finit par phagociter, par marginaliser totalement le principe. Donc retenez ceci, le remplacement systématique du principe par l'exception. Le culte moderniste montinien, donc montinien du nom de Paul VI, suit notamment trois fils rouges. Le premier fil rouge, c'est le rejet de la théologie négative, c'est-à-dire que le culte moderniste rejette tout ce qui déplaît à l'homme contemporain condamnation des impuretés, opposition entre l'Église et le monde, opposition avec les fausses religions, etc. Le deuxième fil rouge, c'est la protestantisation du rite, du culte. Comment cela se traduit-il Cela se traduit par le fait que le caractère propitiatoire du sacrifice est masqué, est effacé. Les protestants et les modernistes sont tout à fait d'accord pour dire que la messe est un sacrifice. Lorsque vous lisez la défense de la fausse messe Paul VI euh, par Congar, il vous explique que on fait mention dans l'Institution Generalis euh, du euh, fait que la messe est un sacrifice. Mais il n'est jamais mentionné, et nous le développerons tout à l'heure, qu'il s'agit sa qu d'un sacrifice propitiatoire. Et pour cause, les protestants. Combattent l'idée selon laquelle la messe est un sacrifice propitiatoire, et même ils conteste l'idée selon laquelle le Christ a fait un sacrifice propitiatoire. Alors je précise, qu'est-ce que c'est un sacrifice propitiatoire C'est le fait que le Christ soit devenu une victime à notre place pour payer nos péchés, le prix de nos péchés, à notre place. Retenez bien ça, donc sacrifice propitiatoire égale le Christ devient victime à notre place pour payer nos péchés. Troisième fil rouge. De la fausse messe Paul VI, c'est le rabaissement, c'est la dévalorisation de la présence réelle. Ce mouvement avait commencé dès 1967 dans une pseudo-encyclique de Montini qui s'appelait Mysterium Fidei. Et dans cette encyclique, il expliquait qu'il y avait plusieurs présences réelles dans la messe. Pie XII dans Mediator Dei nous avait dit qu'à la messe, il y avait plusieurs présences du Christ, mais il ne disait pas que c'était des présences réelles équivalente à l'Eucharistie, si vous voulez. Or là, on nous dit, dans ce document donc, de Paul VI, Mysterium Fidei, qu'il y a plusieurs présences réelles à la messe. C'est une façon de relativiser la présence réelle suite à la transubstantiation. Donc, dans une première partie, chers amis, nous démontrerons l'invalidité de la fausse messe Paul VI. Et dans une deuxième partie, nous reprendrons les différents points du rite pour montrer... Que euh, ce qu'on appelle des abus entre guillemets ne sont pas en vérité des abus, mais une parfaite mise en œuvre de euh, du norvus ordo missae. Donc les abus entre guillemets sont systémiques dans le cadre de la fausse messe Paul VI. Alors pourquoi les abus sont-ils systémiques dans le cadre de la fausse messe Paul VI Dans la messe catholique, chers amis, enfin la messe catholique devrais-je dire plutôt, est réglementée. Elle est structurée par ce qu'on appelle les rubriques. Les rubriques, ce sont des prescriptions que l'Église impose au prêtre. Et ce sont euh, des prescriptions qu'il doit scrupuleusement exécuter. Et donc ces rubriques, chers amis, vous les retrouvez en rouge dans le missel. Vous voyez Donc tout ça, ce sont des consignes qu euh, qu que, que le prêtre doit exécuter scrupuleusement. est Ce qu'on voit bien l'image de la période Tiamont Oui. Voilà, donc tout ça, vous voyez, ce sont des rubriques, et je le répète, ce sont donc des prescriptions que l'Église impose au prêtre et qu'il doit scrupuleusement exécuter. Il ne peut pas déroger à ça. Si bien que euh, le prêtre n'a pas de marge de manœuvre pour commettre des abus. Mais si abus il y a malgré tout, cela viendra non pas du rite en lui-même, mais ce sera de la faute du prêtre, et l'autorité avertie de ces abus sanctionnera le plus rapidement possible pour les faire cesser. Vous me voyez venir, chers amis. Dans le culte moderniste montinien, il n'y a pas dans l'émisselle ces rubriques en rouge que vous avez vues à l'instant. Il n'y en a pas. Il y a simplement un document qui s'appelle l'Institutio Generalis, qui donne les principes généraux de la fausse messe Paul VI. Et encore, ces principes ne sont pas toujours clairs, et il existe de très nombreuses dérogations à ces principes. Cela donne donc une marge de manœuvre énorme au clerc pour partir en vrillé. Donc je le répète, l'absence de rubrique, donc ces prescriptions en rouge que vous voyez là, euh, sont un levier gigantesque pour que le prêtre fasse, enfin entre guillemets, hein, puisqu'ils ne sont pas validement ordonnés dans la plupart des cas, pour qu'il fasse n'importe quoi. Mais il y a pire, il y a pire. Dans le culte moderniste montinien, donc le culte de l'homme, il est prévu. Ce que j'appelle de véritables zones de verglas, dans lesquelles les clercs sont appelés à exprimer leur créativité personnelle. Ces zones de verglas, vous l'avez compris, sont de véritables pousses au crime liturgique. Résultat, lorsqu'il y a un entre guillemets abus dans une fausse messe Paul VI, dans l'immense majorité des cas, pour ne pas dire tout le temps, il n'y a pas de sanction digne de ce nom. Parfois, il y aura des protestations verbales formelles dans certains textes conciliaires, pour dire qu'il faut faire attention, etc., et qu'il ne faut pas faire d'abus. Mais de facto, de facto, il n'y a pas de sanction aux abus. On l'a vu dernièrement dans le monde germanique, où on met des drapeaux LGBT dans les églises, par exemple. Jamais de sanction, jamais. Alors, pour vous prouver ce que je dis, eh bien, nous allons sortir une pièce du dossier. Et nous allons donc vous prouver, chers amis, que les abus dans le cadre de la fausse messe Paul VI ne sont pas une, une, une déviance, mais ces abus sont bel et bien systémiques. Et je le répète, il est inapproprié de parler d'abus. Donc nous allons publier une photo d'une, entre guillemets, messe, célébrée par Jean-Paul II au mois de mai 1984 en Nouvelle-Guinée. Cette photo, je vous le dis d'avance, nous avons été obligés... De la censurer pour ne pas porter atteinte à votre pudeur et pour ne pas commettre un péché de scandale. Alors, par précaution, nous l'avons censuré, hein, mais par précaution, éloignez les enfants. Éloignez les enfants. Il ne faut pas qu'ils voient cette photo d'une messe faite, enfin célébrée, par Jean-Paul II. attire moi Est-ce que vous pouvez afficher la photo, s'il vous plaît Donc, comme vous le voyez dans cette photo, une fidèle concilière. Lit les épîtres alors qu'elle est à moitié nue. Voilà, donc pour dire les choses un peu crûment, elle a la poitrine à l'air. Bon. Or, le fait pour une femme d'avoir la poitrine à l'air en public, c'est un péché mortel, bien évidemment, de scandale. Or, comme vous pouvez le constater, chers amis, ce péché mortel ne pose absolument aucun problème. À la hiérarchie Novus Ordo, à la hiérarchie conciliaire, on laisse faire cette femme à moitié nue, on laisse faire le péché, on laisse faire le mal. Donc, on voit bien que la fausse VI intègre parfaitement le péché mortel. Ce n'est donc pas un abus, c'est une parfaite mise en œuvre des principes du Novus Ordo Mice, comme on atteste la présence. Parfaitement calme de ce cher Vostilas Jean-Paul II en compagnie de cette femme à moitié nue. Voilà. Bon, je crois que vous pouvez enlever la photo maintenant, euh, Pierre. J'espère que vous avez éloigné les enfants hein, de, de, des écrans. Hein. Bon. Alors, poursuivons. Dans euh, la première émission que nous, avons que nous avions faite euh, donc sur euh, le livre de la Bécéada, nous avions évoqué que donc la messe est le renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix. Or, la fausse messe Paul VI se définit différemment dans l'institution Generalis. Même si, dans, un, dans une deuxième version de l'institution Generalis, elle a essayé de diluer le mal en rajoutant des éléments tridentins, le fait est que la messe se définit, la fausse messe Paul VI, pardon, excusez-moi, la fausse messe Paul se définit non pas comme le renouvellement non sanglant de la croix pour d'ailleurs un sacrifice propitiatoire, mais elle se définit comme une assemblée un renouvellement de la scène, donc de la, de la partie de la Bible de la scène dans laquelle le Christ, dans son dernier repas, euh, institue la messe. Donc c'est un renouvellement de la scène pour célébrer la mort du Christ. Ce qui est très intéressant, c'est que les entre guillemets, messes protestantes se qualifient elles aussi d'assemblées, et que les entre guillemets, messes protestantes prétendent elles aussi être des scènes. Donc, quand on dit Ah, mais il est faux de dire qu'il y a une protestantisation euh, de la fausse messe Paul VI, bah non, euh, elle se définit comme les messes protestantes. Messes entre guillemets protestantes. Donc, excusez-moi. Donc, la protestantisation commence là, d'ores et déjà. Bon. Donc, il y a un vice de base dans cette fausse messe Paul VI, mais il y a un vice supplémentaire, qui est la question de l'invalidité, donc, de euh, la fausse messe Paul VI. Alors, comme vous le savez, un sacrement est constitué de trois choses matière, forme et intention. Or la forme et la matière dans la fausse messe Paul VI ne répondent pas aux exigences de l'église dans ces domaines. Les arguments que je vais soulever là étaient déjà soulevés dans un document du du mois de septembre 1969 qui s'appelle le bref examen critique. Ce bref examen critique a été signé des cardinaux Ottaviani et Biachi, mais le véritable Auteur de ce document, c'est le père Gérard Deslauriers, futur monseigneur Gérard Deslauriers. Je tiens à le signaler. Alors d'abord, examinons euh, la première cause d'invalidité de la messe, de la fausse messe Paul VI, pardon, qui est euh, la question de la forme. La forme de la messe, ce sont les paroles de la consécration prononcées in persona Christi. C'est-à-dire que lorsque le prêtre prononce ces paroles, il est... Jésus-Christ. Il est Jésus-Christ. Et à ce moment-là, il n'est pas en train de réciter, il n'est pas dans un mode narratif. Donc retenez bien ceci, la forme de la messe catholique, ce sont les paroles de la consécration prononcées in persona christi, et le, maître, le prêtre à ce moment-là est Jésus-Christ lorsqu'il les prononce. Or, dans la fausse messe Paul VI, en raison d'une modification de la ponctuation des paroles du canon les paroles de la consécration ne sont pas prononcées in persona Christi mais elles sont prononcées de façon narrative exactement comme dans une entre guillemets messe protestante L'institution generalis qui je le rappelle donne les instructions pour la fausse messe Paul VI nous dit bien que la consécration est un Récit. C'est un récit. Et donc, pour que les paroles de la consécration se transforment en récit, alors que dans la messe catholique elles sont dites, je le répète, in persona Christi, comme je vous l'ai dit, on a, modifié les, euh, on a modifié la ponctuation des paroles du canon. Les conciliaires ont osé faire cela. Alors, on va vous donner une petite explication pratique. Dans la messe catholique, donc, vous disais-je, les paroles de la consécration. Donc, est-ce que périodièrement on voit le missel Oui. Donc les paroles de la consécration que vous voyez ici sont précédées par une phrase que vous voyez là, qui se termine par un point final. Et comme cela nous est rappelé dans le bref examen critique, ce point final marque la transition du passage narratif que vous voyez ici. Au passage intimatif que vous voyez ici. Donc C'est-à-dire que dans la Messe Paul VI, ce passage-là que vous voyez là est narratif, est, dans un, est dit dans mode, sous un mode narratif, alors que le passage que vous voyez là est dit une, sous le mode intimatif. Ces paroles sont dites in persona Christi. Voilà. Donc vous voyez, donc on dit narrativement en latin, donc, Acipite et manducate ex hoc omnes, point final, on passe à la ligne, ceci marque. La transition, donc là on sort du passage narratif et on arrive à un passage intimatif, vous voyez, où le prêtre dit in persona Christi, hoc est enim corpus meum. Voilà. Alors, pirement, on va laisser l'image du missel. Est-ce que vous pouvez mettre euh, sur l'écran, maintenant, la version euh, de la consécration euh, donnée dans la fausse messe Paul qu'on retrouve dans la pseudo-constitution apostolique? Missale Romanum qui date d'avril 1969. Est-ce que vous pouvez le mettre, chers amis Donc, on va vous montrer le changement de ponctuation diabolique qui a été fait par la secte. Donc, comme vous le voyez, on retrouve ce passage. Donc, euh, je ne vais, vais pas vous faire à l'envers, c'est plus pratique. Donc, et manducate ex hoc omnes. Donc, vous voyez dans le missel, chers amis, après cette phrase, vous voyez il y a un point. Or, qu'ont fait les modernistes pour plaire aux protestants, ils ont supprimé ce point. Et ils l'ont remplacé par deux points que nous avons stabilotés euh, en jaune. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir un passage narratif, puis un mode intimatif pour dire les paroles de la consécration d'une personne à Christie, nous avons donc un mode narratif à ce niveau-là. voyez Deux points à ce niveau-là, et on continue sous le mode narratif. On ne dit pas les paroles d'une personne à Christie, on reste sous le mode narratif, c'est une citation. Donc je répète, dans la messe catholique, ce passage-là est dit, un mode, est dit euh, sous, donc, sous un mode narratif, voyez et les paroles qui suivent donc de la consécration sont, dit, sont dites sous un mode intimatif, et c'est ces paroles-là qui sont dites in persona christi. Dans le cas de la fausse messe Paul VI, on supprime ce point, on le remplace par deux points, ce qui fait que le mode narratif perdure au niveau des paroles de la consécration, et donc ces paroles ne sont pas, ne sont pas dites in persona christi. C'est absolument diabolique. Je crois que c'est les Allemands qui disent que le diable est dans les détails. C'est diabolique. Donc vous voyez comment, par une petite modification, on a créé un pseudo-sacrement qui est invalide. Est-ce que j'ai été précis Est-ce que j'ai été clair faut me le dire si je ne l'ai pas été. Hein. Mais oui. Parce que c'est fondamental, ça. Mmh. Donc la fausse messe Paul VI est invalide parce que les paroles de la consécration ne sont pas prononcées de façon enfin, in persona Christi, donc le prêtre et Jésus-Christ, mais elles sont prononcées de façon narrative, exactement comme dans le cadre d'une scène protestante. Ça tombe bien, la fausse messe Paul VI se définit elle-même comme une scène. Nous arrivons maintenant, chers amis, à la deuxième cause de l'invalidité de la fausse messe Paul VI, qui concerne donc la matière de la messe. La matière de la messe catholique, vous le savez, c'est le pain et le vin. Mais ajoutons, c'est le pain et le vin... Mis en état d'oblation. C'est-à-dire que le pain et le vin sont offerts à Dieu le Père en vue du sacrifice propitiatoire. C'est-à-dire que le Christ, je le répète, devient victime pour payer nos péchés. Et ça, les protestants ne veulent pas entendre parler, ils combattent cette doctrine. Et les modernistes également ne veulent pas en entendre parler et combattent cette doctrine. Donc, dans la messe catholique, chers amis, la matière, donc le pain et le vin, sont mis en état d'oblation dans un passage qu'on appelle l'offertoire. Et dans ce passage de la messe, dans ce rite, le, le pain et le vin sont retirés de leur usage commun et sont donc par anticipation offerts, euh, enfin, ils sont, oui, pour l'offrande, par euh, euh, l'effet d'une prière sacrificielle. Qui fait mention du caractère propitiatoire du sacrifice. Donc, je répète, donc dans la messe catholique, il y a un, un rite qui s'appelle l'offertoire, et dans cet offertoire, il y a une prière sacrificielle qui met la matière en état d'oblation. Qu'ont fait les modernistes, parce que ceci déplaît aux protestants. Donc, les protestants rejettent la messe catholique à cause notamment bah, de cette mention du sacrifice propitiatoire dans l'offertoire. Donc qu'ont fait les modernistes pour la fausse messe policy, chers amis ben, Vous me voyez venir, ils ont purement et simplement supprimé l'offertoire. Ils ont supprimé l'offertoire. Et ils l'ont remplacé par un pseudo rite qui s'appelle la préparation des dons. Oui, je crois que c'est ça, la préparation des dons. Et dans cette préparation des dons, vous me voyez venir, il n'y a pas de prière sacrificielle faisant mention du sacrifice propitiatoire. On a remplacé cette prière par une pseudo-prière de bénédiction, qui est un mélange entre une prière juive et des éléments de théologie moderniste inspirés par Théard de Chardin, selon lesquels euh, la matière de la messe, donc le pain et le vin, serait citation le fruit du travail des hommes. Donc, dans cette nouvelle prière de bénédiction, il n'est pas indiqué que la matière soit mise en état d'oblation. Il n'est pas indiqué donc qu'elle soit offerte en vue d'un sacrifice. Propitiatoire. C'est une cause d'invalidité de la messe, puisque la matière n'est pas mise en état d'oblation. Donc je répète, dans la messe catholique, nous avons un rite qui s'appelle l'offertoire, dans lequel, par une prière sacrificielle, la matière est mise en état d'oblation, donc en vue d'un sacrifice propitiatoire. Dans la fausse messe Paul l'offertoire est aboli, il est supprimé, il est remplacé par un pseudo-rite qui s'appelle la préparation des dons, dans lequel il n'y a pas de prière sacrificielle, et on a remplacé ça par une pseudo-prière de bénédiction. Qui est un mélange de, entre une prière juive et des éléments de théologie moderniste. Donc je le répète, c'est une deuxième cause d'invalidité de la messe. Et il y a une personne, non c'est des vacantistes, qui me semble-t-il, l'a compris et remarqué. C'est, entre guillemets, Monseigneur Athanasius Schneider. Celui-ci a été interrogé par, euh, fin, sur la chaîne YouTube de l'Homme Nouveau, je crois, par une émission qui s'appelle Le Club des Hommes en Noir. Et on lui, dit, on lui demande quelles sont les réformes à faire pour la fausse messe Paul VI. Et il répond que le truc le plus urgent à faire, la chose la plus urgente à faire, c'est d'abolir la prière d'offertoire. C'est pas une prière d'offertoire. Et mon Seigneur, entre guillemets, Schneider le sait très bien. Mais il vise cette pseudo-prière de bénédiction qui est donc, je le répète, un mélange entre une vieille prière, prière juive et des éléments modernistes. Il dit qu'il faut l'abolir immédiatement. Pourquoi faut-il la Quel est le problème, monsieur Schneider Monsieur, quel est le problème ouais. On comprend à demi mot qu'il nous dit que ça faut se mettre invalide, tout simplement. Bref, nous allons bientôt arriver au rite en lui-même, mais avant cela, un mot sur les églises. Ah, tiens, Pierre, tiens, j'ai oublié de vous demander est-ce que vous pouvez euh, essayer de trouver éventuellement des photos de la cathédrale de Liverpool faite en 1962 car cette photo, chers amis, cette, euh, cette cathédrale, euh, est, au niveau architectural, est à mi-chemin entre le temple maçonnique et une soucoupe volante, en fait. Je ne sais pas si vous avez trouvé ça, un truc absolument hideux, Retirement. Euh. Ouais, je crois que j'ai trouvé un truc. Un truc euh, bah, euh, si c'est bien dégueulasse, a priori, c'est bien ça dont on parle. Hein. Je vais vous l'afficher. Voilà. Ça, ouais. Parce qu'avant de vous parler de la, du rite de la Fausse-Messe Paul-6, j'aimerais dire un mot des églises qui ont été aussi protestantisé Et donc les églises récentes sont faites sous le mode protestant. Et ceci n'est pas le fruit du bazar et ce n'est pas un procès d'intention que je fais. Dans l'institution Generalis de 1969, il est dit que les églises doivent transmettre, citation, l'image de l'assemblée réunie. Donc là, on voit encore une fois l'influence protestante. Donc les églises doivent donner l'image d'une assemblée. Donc le clerc conciliaire est au centre d'une assemblée et il n'est plus devant. Euh, je dirais euh, les fidèles. Donc c'est une prescription officielle de la secte conciliaire de l'Institution Généraliste de 1969. Bon. Et c'est pas fini. Dans une instruction du 26 septembre 1964, chers amis, Inter Ecomunici, euh, e il nous est dit qu'il faut que l'hôtel majeur soit séparé du mur pour qu'on puisse en faire facilement le tour et qu'on puisse y célébrer vers le peuple. Célébration vers le peuple, protestantisation du culte, une fois encore, puisque ce sont les scènes protestantes qui sont dites face au peuple. Donc vous voyez, pour faire une assemblée, on demande à mettre l'autel au centre pour célébrer notamment face au peuple. Donc ces églises modernes hideuses, qui ressemblent parfois à des sortes de bunkers, enfin euh, vous voyez, un truc qui ressemble à rien, euh, sont, euh, ne sont pas le fruit du hasard, ce, ce, ce sont le fruit donc de prescriptions de la secte conciliaire. Donc est ce que vous avez montré la soucoupe volante, euh, mmh. périodiquement, voilà. Donc euh, il y a eu une protestantisation, protestantisation pardon, de l'architecture des églises, mais il y a eu aussi une protestantisation, si je puis dire, de l'hôtel Les protestants, les théologiens protestants, ont toujours été contre l'autel et ont toujours voulu le supprimer. C'est pourquoi quand vous regardez une, entre guillemets, messe protestante, vous avez des tables vides. Pourquoi les protestants s'opposent à l'autel et la remplacent-ils par la table ben Vous allez comprendre. J'ai aussi vous citer un théologien protestant qui résume tout. Il nous dit ceci. La forme de la table éloignera mieux les gens simples des opinions superstitieuses de la messe papiste quant à l'usage correct de la scène. Oui, la scène, comme dans la fausse messe Paul VI. Et là, attention car on se sert d'un hôtel pour faire un sacrifice et d'une table pour servir à manger aux hommes je répète on se sert d'un hôtel pour faire un sacrifice et d'une table pour servir à manger aux hommes tout est dit on a protestantisé les églises en transformant les beaux hôtels catholiques en tables vides voilà et certaines mauvaises langues disent en table à repasser ou table de ping-pong, bref. Alors comment la secte conciliaire a-t-elle transformé les hôtels Elle a appliqué ce principe que je vous ai évoqué, cette méthode plutôt, qui s'appelle le remplacement systématique du principe par l'exception. Alors tout d'abord, concernant le matériau de l'hôtel. Les hôtels, dans les messes catholiques, sont en pierre et ils sont consacrés. L'Institution généraliste rappelle le principe selon lequel, donc l'hôtel doit être fait en pierre mais il accorde systématiquement une exception à savoir un autre matériau digne solide et bien travaillé ensuite la bénédiction n'est plus obligatoire on nous dit simplement normalement ça doit être consacré donc c'est plus obligatoire et pour les hôtels mobiles eh bien euh, il doit être simplement euh, enfin l'hôtel doit être simplement béni ensuite concernant le dépouillement de l'hôtel si l'on s'en réfère toujours à la même instruction de 1964 inter Okuminichi, donc on, en, on applique une fois encore euh, le remplacement systématique du principe par l'exception. Donc on nous dit que la croix et le chandelier donc, qui sont sur l'autel, enfin doivent être donc sur l'autel, mais on peut les placer à côté de l'autel. Donc on retire les chandeliers et la croix de l'autel pour le dépouiller et pour mieux en faire. Une table. Je précise que dans un hôtel catholique, il y a trois nappes bénies. Dans l'institution generalis, il y a une seule nappe. Ensuite, concernant les hôtels latéraux. Dans la fameuse instruction de 1964, il nous est dit que les hôtels mineurs seront en petit nombre. Mais quel était le problème de faire beaucoup d'hôtels pour de nombreux prêtres, de nombreux finals Quel était le problème bon. Donc on nous dit, nombre d'hôtels en petit nombre. Et dans l'instruction, dans l'introduction du rite de dédicace d'hôtel de 1977, on nous dit carrément qu'il vaut mieux ne construire qu'un hôtel unique, afin que dans l'assemblée unique du peuple de Dieu, l'hôtel unique représente l'unique sauveur. Donc il est reproché de ne faire qu'un seul hôtel unique. Et ce qui est quand même extraordinaire, c'est que ceci est une proposition janséniste du synode de Pistoie qui a été infailliblement condamnée. Par Piscis dans Octorem Fidei. Donc la proposition suivante est condamnée. Le synode énonce que pour le bon ordre des offices divins et selon l'antique coutume, il serait convenable que dans chaque église, il n'y eût qu'un seul autel. Donc cette proposition janséniste, on la retrouve mot pour mot dans les textes de la secte conciliaire. C'est extraordinaire. Concernant le tabernacle, avant Vatican II, eh bien, le sacrement était dans un tabernacle qui était posé sur le maître-autel. Rappelez-vous que la problématique des modernistes est la même que celle des protestants, c'est de rabaisser, de dévaloriser la présence réelle, sans que, bon, les protestants, eux, la nient carrément, mais les modernistes, pour faire plaisir aux protestants, euh, cachent un maximum, masquent un maximum la présence réelle. Donc, dans l'institution de 1964, dans l'introduction, pardon, euh, dans l'instruction, pardonnez-moi, de 1964, on nous dit donc, principe, que le tabernacle sera placé au milieu de l'autel, mais on autorise toujours l'exception, il pourra aussi être placé euh, dans un autre lieu de l'église, très noble et bien décoré. Donc, on évoque la possibilité, voyez, de mettre à l'écart la présence réelle. On éloigne des fidèles la présence réelle. Ensuite, dans l'instruction du 25 mai 1967, Eucharisticum Mysterium, il est recommandé de placer le tabernacle, citation, dans une chapelle située à l'écart de la partie principale de l'église. Donc, vous voyez, on éloigne toujours plus la présence réelle des fidèles. Il ne faut pas de présence réelle pour les fidèles. Protestantisation du rite, rappelez-vous. Et enfin, dans l'institution généraliste, on nous dit carrément, principe, qu'il ne faut pas que euh, le tabernacle soit sur l'autel où la messe est célébrée. Donc, euh, il faut le mettre dans le sanctuaire, donc en dehors de l'autel de la célébration, sous la forme, dans un endroit euh, et dans un endroit qui convienne mieux. Voilà, euh, dans un oratoire adapté à l'adoration et à la prière des fidèles. Donc, vous voyez, marginalisation maximale. De la présence réelle. Pour les vases sacrés, c'est pareil. Pour, par respect pour la présence réelle, les vases sacrés étaient en or ou en plaqué or. On rappelle ce principe dans l'institution généraliste, mais hop, on prévoit une dérogation qui nous dit qu'on peut utiliser toute autre matière solide euh, que le monde juge noble. Voilà. Et c'est pourquoi, euh, au lieu d'avoir des beaux vases, eh ben, on a eu parfois euh, n'importe quoi euh, comme réceptacle. Dans le cadre de la fausse messe Paul VI. Donc voilà comment on a transformé un hôtel sur lequel devait être fait un sacrifice propitiatoire en une table vide pour simplement prendre un repas. J'en arrive maintenant, chers amis, euh, à la question bah, du rite en lui-même, que nous allons examiner. Alors, une messe catholique commence par un chant qui s'appelle l'introïte. Ce chant a été en principe gardé dans l'institution generalis, mais on peut une fois encore y déroger par un chant adapté à cette partie de la messe. Donc en pratique, l'intruite a souvent été dégagée. Ensuite, dans la messe catholique, il y a ce qu'on appelle la préparation pénitentielle. Et dans cette préparation, le prêtre récite le psaume 42. Ce psaume 42 est supprimé. Purement et simplement dans le cadre de la fausse messe Paul VI et on le remplace par des soi-disant actes pénitentiels. Donc, soit c'est un confiteor qui est amputé, soit on récite d'autres formules qui, à proprement parler, ne sont pas des actes pénitentiels. Dans la messe catholique, nous avons deux chants importants aussi, que sont le kyrie et le gloria. Dans la fausse messe Paul VI, ils sont maintenus, mais uniquement pour certains jours de fête. Donc, en fait, pendant quasiment toute l'année, eh les fidèles. Conciliaire, non, pas le kyrie et le gloria. Étant précisé que le kyrie a neuf parties, mais que dans le kyrie conciliaire, il n'y en a que six. J'en arrive ensuite à la question des oraisons. Donc, lors des messes dominicales, il y a des petites prières euh, qui s'appellent donc soit des collectes, des secrets, des post-communions. Et euh, le missel catholique contient non moins de 1182 oraisons. Dans le missel du culte moderniste montignien, 760 oraisons sont purement et simplement supprimées, et la moitié des oraisons restantes sont modifiées. Braga, le bras droit de Bounini, nous le dit, cette révision s'impose en raison de la nouvelle façon d'envisager les valeurs humaines. Donc, on voit bien le moderniste qui nous dit que le dogme doit changer. Et la liturgie doit changer en fonction des contextes sociaux. Euh, cette révision s'impose aussi en raison des exigences œcuméniques, entendre faire plaisir aux protestants et masquer un maximum le caractère propitiatoire du sacrifice. Et enfin, parce qu'il y a une base entièrement nouvelle de la théologie eucharistique. Bah, c'est normal, c'est une nouvelle religion. Hein. Bon. Alors, comment a-t-on modifié ou supprimé ces oraisons Eh bien, on a supprimé tout ce qui relève de la théologie négative, tout ce qui effraie l'âme contemporain fin dernière péché opposition entre l'église et le monde petit exemple de réécriture d'oraison de dans une oraison on nous dit que on nous demande de nous apprendre à mépriser les choses de la terre eh bien réécrit par les modernistes cela donne à considérer avec sagesse les choses de la terre donc on passe du mépris à la considération avec sagesse oui. on n'est plus en opposition frontale avec le monde ensuite beaucoup de prières ont été supprimées parce qu'elle faisait allusion au mérite des saints, et ça, ça déplaît aux protestants. Donc, les, les conciliaires ont un maximum effacé les références au mérite des saints. Et enfin, nombreux sont les enseignements rejetés qui concernent la propitiation, euh, la propitiation euh, pour les péchés. Donc, c'est une doctrine qui est rejetée à la fois par les protestants et par les modernistes. Ensuite, dans la messe catholique, nous avons deux chants, qui s'appellent donc le graduel et l'alléluia. Ce, ces chants sont des chants qui sont techniques et qui ne peuvent pas être chantés par toute l'Assemblée. Donc généralement, c'est la chorale qui exécute ces chants. Ces chants catholiques sont purement et simplement supprimés dans le cadre de la fausse messe Paul VI. Et ils sont remplacés par euh, des chants qui s'appellent le réponse psalmodie et l'acclamation de, de l'évangile, qui sont ce que j'appelle donc ces fameuses zones de verglas, dans lesquelles les clercs et leurs fidèles conciliaires sont appelés à faire preuve de créativité personnelle. Ces chants devaient être, selon l'institution généraliste, des chants communautaires. Donc pour faire des chants accessibles à tout le monde, la Secada nous dit que les compositeurs liturgiques, citation, furent obligés de créer des pièces liturgiques ne dépassant pas le plus petit commun dénominateur. Résultat, une musique triviale dont le niveau atteint tout juste celui d'une rengaine commerciale pour vendre du dentifrice. <laughs> Donc, on a supprimé des chants solennels qui étaient le graduel et l'allehuilla exécutés par la chorale, par des chants communautaires dans lesquels euh, c'était open bar, si vous me permettez, la formule. Ensuite, autre zone de verglas, après le credo dans la fausse messe Paul VI, il y a ce qu'on appelle la prière des fidèles. Donc, dans un premier temps, c'était des chants qui étaient réglementés, mais l'autorité ecclésiastique, au fil du temps, a laissé faire. Et l'un des bras droits de Bounini, euh, le père Jean-Baptiste Molin, nous dit que la prière des, vitèles, la prière des fidèles crée pendant la messe un moment où la spontanéité peut s'exprimer. Donc vous voyez, là, c'est une zone de verglas, c'est euh, un appel quasiment à l'abus, euh, entre guillemets, liturgique. Puisqu'on a vu tout à l'heure que les abus, dans le cas du Novusordomicée, ne sont pas des abus, ce sont des pures et simples mises en œuvre. Ensuite, dans la messe catholique, il y a, donc, dans les messes dominicales, euh, chaque semaine, deux passages de la Bible qui sont lus, très généralement, donc un passage des Épîtres et un passage des Évangiles. Et chaque année, au même moment, nous retrouvons les mêmes passages. Donc il y a un lectionnaire qui est annuel. La fausse messe Paul 6 prétend que euh, la messe est faite pour instruire les fidèles. Donc ils ont changé ce lectionnaire, ce lectionnaire qui était en vigueur depuis près de 5 siècles, pour euh, un autre lectionnaire qui n'est pas annuel, mais qui est trisannuel. C'est-à-dire que dans le choix des textes, enfin le choix des textes fait que, on retrouve les textes. Tous les trois ans et non plus chaque année, l'abbé retrouve que c'est une pure hypocrisie de la part de la secte, parce que la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Donc le fait qu'on ait les textes tous les trois ans et non plus chaque année fait que, en réalité, la messe est beaucoup moins pédagogique, et instructive que n'était la messe Saint Pie V. Par ailleurs, l'abbé relève que des pans entiers euh, de, des écritures et de l'enseignement du Nouveau Testament ont été euh, enlevés. Et on ne conserve plus qu'un seul pan, si je puis dire, de la religion. Donc en fait, on montre un visage incomplet et au final quasiment erroné de la religion. Ce qui est intéressant, c'est que Don guéranger euh, faisait, enfin relevait déjà euh, en son temps, que euh, on présentait, euh, que, les, que les protestants notamment euh, n'avaient pas falsifié forcément les textes, mais qu'ils montraient un visage incomplet de la vraie religion en euh, Gommant, en mettant, je dirais, euh, sous le tapis des pans entiers des Écritures. Et eh bien, c'est ce que fait le euh, lectionnaire triannuel euh, de la secte conciliaire. Alors, ensuite, on arrive au canon. Alors, là, on se dit, mais attendez, les modernistes n'ont quand même pas osé s'attaquer au canon. Eh bien, si, ils se sont attaqués au canon. Rappelez-vous, chers amis, ce que nous dit Saint-Pédis hein, les modernistes sont les pires ennemis de l'Église. Ils s'attaquent à tout ce qui fait notre religion. On a vu tout à l'heure déjà que les modernistes ont changé la ponctuation des paroles de la consécration afin de rendre invalide la fausse messe. Puisqu'on en fait, puisque les paroles qui devaient être prononcées une personne à Christi sont prononcées de façon narrative. Mais ils n'ont pas fait que ça dans le canon, chers amis. Alors déjà, il faut savoir que le canon n'avait pas euh, les faveurs des protestants. Écoutons cet érudit luthérien. Les longues prières du canon romain présentent clairement l'eucharistie comme un sacrifice propitiatoire, ça ils aiment pas. Hein. Elle comporte aussi des commémorations des vivants et des morts, des vénérations de la Vierge, des apôtres et des saints, et des prières pour les défunts. Puisque je précise que les protestants, pour la plupart d'entre eux, ne croient pas au purgatoire. Bon. Alors, qu'a-t-on fait pour s'attaquer au euh, euh, au, euh, au canon de la messe Eh bien déjà, on a envoyé les sbires de Bounini, et notamment le père Vagadi, euh, Vagadini. Qui, dans un livre de 1966, s'attaque au canon et fait toute une série de critiques sur le canon. Paul VI n'a pas supprimé le canon purement et simplement, et s'il l'avait fait, euh, ça aurait été tellement énorme que la secte aurait été démasquée. Donc, qu'a-t-il fait En plus du canon, il a créé ce qu'on appelle des prières eucharistiques, c'est-à-dire que le clerc conciliaire peut réciter ses prières eucharistiques plutôt que de choisir le canon. Donc, il a fait à la base quatre prières eucharistiques, mais au final, on a près d'une quinzaine aujourd'hui. Hein, bon. Mais alors donc, la première prière eucharistique, c'est le, euh, le canon classique, si je puis dire. Alors, attention, c'est le canon en, avec cette modification de la ponctuation telle que je vous l'ai dit. Donc, c'est le canon, on va dire, trafiqué. La deuxième prière eucharistique, c'est une prière faite par celui qui, à l'époque, était un antipape, l'antipape Hippolyte, qui, Dieu merci, se réconciliera avec l'Église et je crois finira à martyrer ça mais cette prière d'Hippolyte, on l'a amputée de ses passages de théologie négative. Donc vous voyez, quand les consulaires vous disent que c'est un retour à l'Antiquité, à chaque fois c'est bidonné, c'est pipoté. Et enfin, les prières eucharistiques 3 et 4, ce sont des prières inventées purement et simplement par le père Vagaggini. Et je crois que, selon la légende, il en a même inventé une sur une table de restaurant. Voilà. Alors par ailleurs, la protestantisation... Euh, de euh, des paroles de la consécration continue pourquoi parce que dans les paroles de la consécration qui concernent le calice que vous voyez ici voyez eh bien euh, il est évoqué mysterium fidei le mystère de la foi bon eh bien chers amis donc ce mystère de la foi c'est une référence à la présence réelle que les protestants combattent donc qu'ont fait les modernistes ils ont enlevé de ce passage là euh, le, le, la formule mysterium fidei et ils ont mis un autre passage. et comme le relèvent les auteurs et les signataires du bref examen critique, le nouveau, si je puis dire, placement de la formule mysterium fidei crée une nouvelle ambiguïté sur la parole, sur la, la présence réelle. donc les protestants sont doublement contents. citation du bref examen critique. enfin, L'acclamation dévolue à l'assistance après la consécration, citation ⁇ Nous annonçons ta mort Seigneur jusqu'à ce que tu viennes ⁇ introduit sous un déguisement eschatologique une ambiguïté supplémentaire sur la présence réelle. On proclame en effet, sans solution de continuité, l'attente de la venue du Christ à la fin des temps, juste au moment où il est venu sur l'autel où il est substantiellement présent, comme si la venue véritable était seulement à la fin des temps et non point sur l'autel. Donc vous voyez, par ce déplacement de la formule Mysterium Fidei, on crée une ambiguïté sur la présence réelle qui fait très plaisir aux protestants. J'en arrive maintenant à la communion dans la main. Alors, première chose, il n'a jamais été prouvé que dans l'Antiquité, il y avait une discipline universelle selon laquelle on donnait la communion dans la main. Dans les cas de communion dans la main ponctuelle et spécifique que l'on connaît, Soit les personnes mettaient des gants, soit il y avait des oblations, euh, enfin il y avait des lavements de mains euh, spécifiques. Je précise que les théologiens protestants ont toujours préconisé la communion dans la main. Pourquoi Parce que l'agenouillement exprime le respect de la présence réelle. Mais rappelez-vous ce que je vous dis, chers amis, dans ce culte protestantisé, qui est le culte moderniste montignien, on fait tout pour rabaisser, pour dévaloriser, pour masquer la présence réelle. Donc, en 69, que se passe-t-il Alors, j'ai oublié de, pré de préciser que dans un synode à Rouen en 650, la commune dans la main avait été interdite. Bon. Alors, qu'ont fait les modernistes pour imposer la commune dans la main Donc, ils font une instruction en date du 29 mai 1969, qui s'appelle et Domini. Et dans cette instruction, on nous dit qu'on conserve l'usage de la communion à genoux et sur la langue. Et même on évoque que les commissions épiscopales consultées à l'époque avaient demandé à ce qu'on ne change pas cet usage. Mais comme d'habitude remplacement systématique du principe par l'exception, on accorde la dérogation selon laquelle eh bien on peut déposer donc le pain eucharistique dans la main du fidèle, lequel se communie lui-même en le portant à sa bouche, donc protestantisation du rite, une fois encore. Et le Vatican a donné tous les indultes qu'il fallait pour cela. Et au final, l'Eucharistie, enfin, la communion, alors soit invalide dans la main, s'est généralisée au sein de la secte conciliaire. Et très rare, très rare sont euh, les cas où on donne, la, où on donne euh, la communion à genoux et sur la langue. Très rare. Alors, quand on fait le résumé de tout cela, chers amis, donc quasi-suppression de l'introïde dans la fausse messe Paul VI, suppression du psaume 42, suppression de euh, 64% des oraisons, modification dans un sens moderniste des, euh, 36, de la moitié des euh, 36% des oraisons restantes, suppression du graduel, suppression de l'alléluia, remplacement de ces chants par des chants communautaires qui sont ce que j'appelle les zones de verglas, suppression du cycle de lecture euh, temporale, et donc remplacement par un lectionnaire triannuel, suppression du canon, je dirais, euh, pur, puisque même dans la pré-Eucharistique 1, comme je vous l'ai dit, on a retiré euh, la parole Mysterium Fidei, on les a déplacés, et on a bidouillé la ponctuation des paroles euh, du canon. Euh, et ensuite, donc, euh, bah, communion, enfin, euh, modification du mode de réception de la communion. Donc retenez bien ceci, chers amis, la fausse messe Paul VI, ce n'est pas une réforme de la messe catholique, c'est un nouveau culte. C'est un culte moderniste, c'est un culte hérétique, et c'est un culte qui exprime la fausse religion moderniste du salut universel. Voilà. Donc j'en ai terminé pour cette première partie. Nous allons faire une petite pause en chanson avec Serge Lama, et après, on attaque la deuxième partie. Qui sera consacré au dernier film de Gad Elmaleh. Dieu hélas, plus du tout dans ses prêtres Il s'est glissé chez eux des Judas et des traîtres Un vent d'est assoufflé glacial qui dénature Leurs sermons inspirés par la nomenclature Et s'ils lèvent encore leurs mains jointes au ciel Le capital de Marx et leur nouveau et s'ils lèvent encore leurs mains jointes au ciel Le capital de Marx et leur nouveau mystère Je vous salue Marie, pleine de grâce Que votre nom soit sanctifié Je vous salue Marie, oui mais de grâce De vos prêtres il faut vous méfier Je crois en Dieu hélas plus du tout dans ces hommes, et nos enfants non plus ne passent plus par Rome. Ils ont pris des sentiers à l'écart des touristes, la voie sacrée a pris des allures de piste. Où est le rassembleur de messie, le verger, qui récupérera ses brebis naufragées, donc, et la soutane, nous reconnaissait avec respect l'homme de Dieu quand il passait. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Que votre nom soit sanctifié. Protégez vos brebis de ces rapaces. Ils les ont déjà sacrifiés. Je crois en Dieu, hélas. Le cercueil de mon père, écrasé sous les fleurs, était bien solitaire La croix dans une main, dans l'autre la séville Un vieux prêtre a les mots de l'évangile Dans la chapelle morne où la mort s'étonnait Le jardin de l'Éden offrait des fleurs fanées quand il n'y a plus d'enfants pour chanter le credo, l'eau de vos bénitiers n'est qu'une flaque d'eau. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Que votre nom soit sanctifié. Vos prêcheurs d'aujourd'hui font fin de race. Tous leurs gestes sont modifiés. Debout tous les mots, les jolis mots antiques, et les incantations et les chœurs des cantiques. Il faut rentrer dans nous comme en un monastère et se dire qu'on est soi-même un grand mystère et qu'éternellement du berceau au seul, l'homme est sans le savoir une secte à lui seul. Et qui ternellement du verre saut un seul, nommé sans le savoir d'une secte à lui seul. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Que votre nom soit sanctifié. L'évangile est soumis à ceux d'en face. Votre Fils est recrucifié. Nous arrivons maintenant, chers amis, au deuxième thème de la soirée, soit le dernier film de Gad Elmaleh, qui s'appelle donc Reste un peu, et euh, donc nous allons faire quelques réflexions euh, à son sujet. Nous allons voir comment ce pauvre Gad Elmaleh est trompé par la secte moderniste. Mon propos de ce soir euh, à ce sujet sera divisé en trois parties. Première partie, nous traiterons de l'enseignement et de l'action de l'église concernant la question juive. deuxième partie, nous ferons une analyse du film de gad elmaleh. et troisième partie, nous verrons les hérésies modernistes de la secte, euh, de la secte conseillère, donc sur la question juive. alors, tout d'abord, quel est l'enseignement et l'action de l'église sur la question juive? le sujet est délicat car euh, il suscite euh, l'hystérie tant chez des personnes du côté du système que euh, du côté de ce qu'on appelle la mouvance de la dissidence, qui sur cette question, ces dernières années, racontait énormément d'anneries. Hein. Ce qui a d'ailleurs, hélas, euh, liquidé un grand nombre d'intelligences. L'enseignement de l'Église et son action se déclinent en trois axes. Premier axe, Condamnation de la fausse religion qu'est la religion talmudique. Deuxième axe protection de populations israélites. Troisième axe appel à la conversion de ces populations. Alors, euh, pour commencer, donc premier axe, sur amis, l'Église a condamné à plusieurs reprises le Talmud et donc la religion talmudique. Elle l'a fait notamment par Grégoire IX. Et par Innocent IV, et Innocent IV est connu pour avoir fait brûler d'ailleurs le Talmud. Cette condamnation s'est accompagnée par des mesures parfois de contrôle social extrêmement strictes, mesures dites prudentielles, afin que l'erreur ne se répande pas, car vous savez que sans l'Église, l'erreur n'a aucun droit. Ces mesures, par ailleurs, cohabitaient avec des mesures euh, dites de tolérance. Euh, qui faisait qu'on demandait de, de ne pas faire de conversion forcée sur les juifs, euh, respect des fêtes, respect des cimetières, etc. Par ailleurs, euh, il est arrivé dans l'histoire que donc, des papes condamnent l'usure exercée par des, pa par des princes chrétiens par le canal d'auxiliaires juifs. Euh, je vous donne un exemple, donc, je crois que c'est une bulle d'Innocent III. Est-ce que je la retrouve Voilà. Donc, le pape innocent III condamne donc, certains princes du siècle qui n'ont pas l'œil rivé sur Dieu, comme ils estiment mauvais de prélever l'usure eux-mêmes, reçoivent les juifs dans leurs villes et forteresses pour constituer ceux-ci comme ministres pour l'exaction des usures. Ils n'ont pas honte d'affliger les églises de Dieu ni les pauvres du Christ. Car quand les chrétiens, etc., bon, je ne vais pas. Dire, et donc, on dit ainsi donc, euh, des veuves et des orphelins sont dépouillés, et aussi, on nous dit que euh, l'église perd euh, de la dîme. Voilà. Alors, donc, condamnation, vous ai-je dit, de la religion talmudique. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la pseudo-encyclique de Bergoglio Fratelli Tutti, il cite le Talmud. Il se fonde sur le Talmud. C'est une preuve supplémentaire que la secte conciliaire n'est pas l'église instituée par Jésus-Christ. Parce que enfin le magistère de l'Église ne peut pas reposer sur des textes qu'il a condamnés et qu'il juge blasphématoires. Ça n'a aucun sens. Appliquer, chers conciliaires de grâce, le principe de non-contradiction. Bon. Euh, voilà. Donc voilà. Premier axe de l'enseignement de l'Église sur la question juive. Condamnation de la fausse religion talmudique et limitation de son influence sociale. Deuxième axe, c'est la protection des populations juives. Bon. Et donc ceci a commencé par une condamnation ferme de l'antisémitisme euh, par l'Église. Alors, notamment, ça a été fait dans un décret de Pionze en date du 25 mars 1928. Citation Le siège apostolique a protégé ce peuple contre les vexations injustes. Et de même qu'il réprouve toutes les jalousies et les inimitiés entre les nations. De même, ou davantage encore, condamne-t-il la haine à l'égard du peuple jadis élu de Dieu, à savoir cette haine qu'on a coutume de désigner présentement en langue vulgaire sous le nom d'antisémitisme. Donc, condamnation ferme de l'antisémitisme par l'Église. Mettons les pieds dans le plat, chers amis. Ces quinze dernières années, beaucoup de gens ont voulu devenir, entre guillemets, enfin, catholiques. Beaucoup de gens, sous l'influence de la dissidence, j'entends, ont voulu devenir catholiques pour trouver une justification de leur antisémitisme. la plupart de ces gens ont terminé à la fraternité saint-pédice et ils ont été très mal enseignés puisque comme on le voit l'église condamne l'antisémitisme. par ailleurs donc les papes à plusieurs reprises ont euh, donné euh, refuge, asile à des populations juives persécutées. c'était le cas des papes d'avignon. Et c'était également euh, le cas pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque euh, Pidouze a sauvé un grand nombre de vies juives, à tel point que le rabbin de Rome, Zoli, s'est converti au catholicisme après la guerre. Pierre Thiermont, est-ce qu'il n'y a pas un Dreyfus qui traîne à tout hasard euh, dans le coin là je, je ne crois pas. Mince, je vais vérifier, mais je ne suis pas sûr. Euh, bon, ce n'est pas grave. Alors, par ailleurs, donc, cette protection euh, des populations juives s'est euh, illustrée. Euh, lorsque euh, des papes ont lavé donc les juifs de fausses accusations enfin d'accusations infondées qui pesaient sur eux. Ce soir chers amis, nous allons en évoquer deux. Alors, la première, c'était pendant la peste noire. Pendant la peste noire, eh bien, il y avait une rumeur publique euh, selon laquelle la peste était due au fait que les juifs empoisonnaient les puits. Le pape Clément VI est intervenu pour mettre un terme à cette accusation infondée. Alors tout d'abord, dans son texte, Clément VI rappelle euh, que euh, le Christ euh, s'est incarné, donc a pris cher dans la lignée juive, et nous dit-il, citation, pour cette raison, il est normal que nous chérissons ces mêmes juifs pour cause de l'humanité. Comme il demande l'aide de notre protection, donc ce qui est intéressant, c'est que ce sont les populations juives qui vont demander l'aide du pape spontanément. Donc, comme il demande l'aide euh, de notre protection et la clémence de la piété chrétienne, nous, en suivant les traces de Calixte, Eugène, Alexandre, Clément, Célestin, Innocent, Grégoire, Nicolas, Honorius et Nicolas III, pontif des Romains et nos, prédé et nos prédécesseurs d'heureuse mémoire, petite parenthèse, il dit d'Honorius qu'il est un prédécesseur d'heureuse mémoire, c'est intéressant. Nous leur accordons le bouclier de notre protection, ordonnant entre autres qu'aucun chrétien ne puisse en aucune façon blesser ou tuer euh, quelques-uns de ces mêmes juifs. Et donc plus loin. Euh, dans de nombreuses et diverses régions du monde qui ne connaissent pas la cohabitation avec ces mêmes juifs, cette peste a partout affligé et afflige la communauté en raison du jugement secret de Dieu. Donc la preuve que les juifs, mentionnés, sont responsables ne tient pas comme explication ou cause d'une telle grande indignation. Donc voilà, euh, on accuse les juifs euh, faussement d'empoisonner les puits. et euh, eh bien, les, euh, les papes euh, condamnent ceux qui répandent cette, fausse, enfin, cette accusation infondée. Autre accusation dont le Saint-Siège a lavé les populations juives, c'est le fameux crime rituel selon lequel eh bien, euh, les juifs euh, chercheraient à prendre du sang humain euh, d'enfants catholiques. Alors soyons clairs, chers amis, on a pu trouver dans l'histoire des psychopathes qui commettaient ce crime. Et on a pu trouver des victimes donc de ce crime. Je crois qu'il y a notamment deux saints euh, de l'église qui en ont été victimes. Mais ceci était donc des cas isolés et ce n'était pas un phénomène général et systémique. Plusieurs papes ont combattu contre cette euh, accusation infondée. Le premier d'entre eux à l'avoir fait, c'est intéressant, c'est le pape Innocent IV au XIIIe siècle. Celui-là même qui avait fait brûler le Talmud, vous voyez et notamment donc, dans une bulle de 1253, il dit nous défendons également à qui que ce soit de leur imputer l'usage du sang humain dans leur rite. Voilà. Le pape Grégoire euh, V, euh, ah, je crois qu'il y a une petite erreur dans mon texte parce qu'il me semble que c'est Grégoire X qui avait fait le texte. Euh, J'ai pas ça sous le bon, je crois que c'est Grégoire X donc euh, qui euh, en, 12 en 1272 euh, a également donc condamné euh, ceux qui à cette accusation infondée. Il menace même d'excommunication ceux qui agissent contrairement à ses prescriptions. Hein, donc ceux qui répondent cette accusation infondée. Au XVe siècle, le pape Martin V également donc, euh, condamne ceux qui euh, répondent cette fausse accusation. Hein, donc ceux qui accusent de mêler euh, du sang humain euh, à leur pain, à zim, etc. Crimes qui leur sont reprochés injustement. Et au XVIe siècle, c'est le pape Paul III. Qui va faire une bulle pour condamner ceux qui répandent cette euh, accusation infondée. Et je pourrais ajouter, je crois qu'au XVIIIe siècle, c'était le pape Clément XIII de mémoire, qui a envoyé euh, le futur Clément XIV euh, en Pologne faire des enquêtes et euh, pour euh, réduire à néant cette euh, rumeur, calomnieuse. Voilà. Donc, on voit plusieurs papes ont condamné ceux qui répandent cette euh, accusation infondée concernant le crime rituel. « J'ai pas de Dreyfus sous la main, c'est dommage, car dans le Sanhédrin de 1806, organisé par Napoléon, le Sanhédrin vote une mention de gratitude envers tous les ecclésiastiques qui ont protégé les populations juives au fil des siècles. » Donc ça, c'est une réponse cinglante à Jules Isaac, et un jour, si le temps me le permet, je, je ferai une réponse à Jules Isaac. Voilà, donc, deuxième pilier... Deuxième axe euh, de l'action de de Église sur la question juive protection des populations, condamnation d'antisémitisme, etc., etc., Troisième axe, et retenez-le bien celui-là parce que nous verrons tout à l'heure que la secte concilière l'a supprimé. Le troisième axe, c'est un appel à la conversion des Juifs. L'Église, à travers les siècles, a toujours cherché à convertir les Israélites, toujours. Et saint Paul, dans les Écritures, nous dit que à la fin du je ne sais plus si à la fin du monde ou à la fin des temps. Euh, et après, il faut s'entendre sur ce que recouvrent véritablement ces notions. Il y aura une conversion des Juifs, et cette conversion sera source d'un grand nombre de bienfaits. C'est ce que nous dit saint Paul. Et donc, de tout temps, il y a eu des grands convertis juifs. Par exemple, au XIIIe siècle, le Talmud a pu être condamné grâce à un converti qui s'appelait Nicolas Donin. Au IIe siècle, nous allons avoir deux grands convertis qui vont finir, qui vont devenir abbés, les abbés Augustin et Joseph Lehmann. Et les abbés Lehmann ont passé une partie de leur vie à travailler à la conversion du peuple juif. Ils ont été soutenus en cela par euh, Pie qui leur a adressé euh, un bref. Ils ont été euh, soutenus en cela aussi euh, par euh, par Léon XIII, qui leur a aussi adressé un bref, et ils ont été soutenus par Saint pédis qui, au moment de la mort d'Augustin Lehmann, a envoyé une lettre de réconfort euh, à son frère, donc Joseph Lehman, dans laquelle il loue l'action euh, des deux frères. Lors du Concile Vatican I, je dis bien Vatican I, chers amis, puisque Vatican II, c'est un conciliabule. Hein, bon. Les frères Lehmann ont été à l'origine de ce qu'on appelle un postulatum. Qu'est-ce que c'est le postulatum C'est une demande que les évêques font au pape. Et donc, un postulatum signé par 510 évêques était un appel à la conversion des Juifs. Et c'est les abel qui sont à l'origine de cette démarche. Et ils racontent ça dans leur livre, je crois, La cause des restes d'Israël. Alors, extrait du postulatum. Parce qu'ils sont toujours très chers à Dieu à cause de leur père. Et parce que c'est d'eux qu'est né le Christ selon la chair, fasse le ciel qu'ils accourent se jeter entre les bras de l'Immaculée Vierge Marie, qui, déjà leur sœur selon la chair, veut être encore leur mère selon la grâce, comme elle est la nôtre. Et ce poste sous la tombe aurait dû être une allocution qui devait être prononcée à la reprise du Concile Vatican I, mais comme vous le savez, chers amis, pour des raisons historiques diverses, le Concile Vatican a été interrompu et l'Église n'a pas pu le reprendre. Donc, vous disais-je, euh, il y a toujours eu un appel à la conversion des Juifs par l'Église catholique. Et les abéles font une réflexion intéressante sur la mission eschatologique des Juifs. Ils se disent ceci, à travers les siècles, on a vu les grands ennemis de l'Église persécuter également les Juifs talmudiques. Ils disent, il y a une contradiction, puisque normalement, dans le cadre... D'un antagonisme commun, ils auraient dû donc s'allier contre l'Église. Or, Mahomet, Luther euh, et Voltaire euh, ont été des ennemis, euh, des ennemis des Juifs. Alors pourquoi Réponse des abélémans L'idée, c'est que le démon voit dans les populations juives les futurs convertis qui réaliseront la mission eschatologique dont nous parle Saint Paul. Donc le démon persécute les juifs, parfois jusqu'à la mort, pour empêcher de réaliser cette mission eschatologique. Le démon, hélas, voyez, voit les choses avec un coup d'avance. Donc tout ceci est développé dans l'ouvrage d'Isabelle Eman, L'entrée des Israélites dans la société française. Donc voici les trois axes de l'enseignement et de l'action de l'Église sur la question juive. Alors maintenant, on en arrive au film de Gad Elmaleh. Alors, je vous avoue que dans un premier temps, j'ai accueilli euh, l'annonce de la sortie de ce film avec une relative indifférence. Mais j'ai changé d'avis, j'ai changé d'opinion. Pourquoi Parce qu'une personne m'a envoyé une déclaration de Gad Elmaleh au JDD. Il déclarait ceci. « On peut être converti de cœur... » sans être baptisé. Alors je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il raconte une pareille ânerie C'est la question à laquelle nous allons répondre ce soir, et qui va nous mener aux hérésies modernistes sur la question juive. Alors, permettez-moi donc de vous dire ce que j'ai pensé de ce film. Alors tout d'abord, précisons que ce film raconte l'histoire de Gad Elmaleh lui-même, et ça nous parle de son questionnement, de son cheminement spirituel. Et dans le film, il songe à se faire baptiser, et la question qui se pose est de savoir si, à la fin, il se fera bel et bien baptiser. Alors, on va commencer par le positif du film, et ensuite, on va arriver sur le négatif. Alors, le positif, c'est qu'il appelle les catholiques à se décomplexer socialement. Il condamne les extrémistes de la laïcité. Ensuite, il y a plusieurs manifestations euh, favorables à la Sainte Vierge. À plusieurs reprises, Gad Elmaleh nous dit qu'il vit sous la protection de la Sainte Vierge. Euh, on le voit réciter un Je vous salue Marie. On le voit regarder euh, des images d'une procession à Lourdes avec un Ave Maria de Lourdes. Et moi, c'est un de mes chants préférés, j'avoue, l'Ave Maria de Lourdes. Donc voilà, j'apprécie. Euh, alors pour nous, c'est extrêmement banal tout ça, soyons clairs. Mais songez, chers amis, que euh, la plupart des gens qui vont aller voir ce film sont des boomers et des bobos. Donc eux, ça ne leur fait pas de mal qu'on euh, leur euh, renvoie cela, si je puis dire. Il y a une scène sympathique à un moment donné où Gadamé prend une feuille blanche, au milieu de cette feuille blanche, il tire un trait, et à gauche de ce trait, il met donc euh, négatif en cas de conversion, et à droite, il met positif en cas de conversion. Donc négatif, il met donc embrouille avec les parents, dispute avec les amis, euh, etc. Et au positif, il met une seule chose salut éternel de l'âme. Ça fait longtemps dans le cinéma français, entre guillemets français, en, ré en réalité cinéma subventionné républicain, on n'a pas parlé du salut éternel de l'âme. Hein. Et même les conciliaires, ils n'aiment pas trop en parler, puisqu'on est tous sauvés de toute façon. Hein. Bon, bref. Enfin, selon eux, selon eux, je précise. <laughs> Alors, ensuite, point positif le film ne tait pas l'antagonisme spirituel entre le catholicisme et Le judaïsme talmudique. Notamment, on le voit à travers le rôle des parents. Et je précise que ce sont les vrais parents de Gad Elmaleh qui jouent dans le film. Et de même qu'il y a des clercs et des sœurs conciliaires qui sont des vrais clercs et des vraies religieuses conciliaires. Bon. Donc, il euh, y a une phrase de, de la mère qui nous dit à un moment donné, à, enfin qui dit à son fils On est en train de te perdre, Gad. Et phrase très intéressante sa mère lui dit Tu changes de Dieu. Bah évidemment qu'il change de Dieu. Puisque dans la région talmudique, on a une entité euh, qui n'est pas trinitaire, alors que dans le catholicisme, on a le vrai Dieu, c'est-à-dire le Dieu trinitaire. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que Gad Elmaleh a rencontré Bergoglio il y a quelques jours de cela. Et si je m'en fie à un article de valeurs actuelles, Bergoglio a évoqué cette question-là et lui a dit :« Non, non, c'est le même Dieu. » Donc en fait, la, la, la mère de Gad a mieux compris certaines choses que, que Bergoglio, semble-t-il. Autre point positif du film. Il nous montre le vrai visage de la secte conciliaire. Il y a une scène extraordinaire dans laquelle Elmaleh parle avec un converti maghrébin musulman, qui d'abord euh, est passé par le protestantisme. Et Gad Elmaleh lui dit, mais dis-moi, alors, pourquoi tu passes du protestantisme au catholicisme Et le gars répond, j'ai fait une retraite spirituelle et j'ai goûté à la présence du Christ dans l'Eucharistie. J'ai donc voulu être catholique. Donc le type nous dit qu'il veut devenir catholique parce qu'il fait une communion sacrilège. Non mais c'est énorme Et quand, euh, quand des conciliaires lisent le script, ils bug pas quoi quand ils lisent ça, quoi. Non mais attendez, c'est un truc de fou, quoi. Alors, autre point positif, c'est qu'on nous montre le vrai visage du clergé conciliaire, quoi. Le clergé conciliaire et les religieuses conciliaires sont cool. Ils sont cool. Ils tutoient. Ils tutoient tout le monde. La sœur. Enfin, La religieuse appelle Gadel Malais, mec, ils sont vraiment cool, hein. ils sont super cool, hein. Les, vraiment le clergé conciliaire, ils sont super cool. Et alors il y a une scène mythique dans laquelle le clerc conciliaire dit à Gadel Malais, je n'ai pas envie de te dire que tu feras une erreur en renonçant, j'respecte trop ta liberté, je n'ai pas envie de te convaincre. Non, en fait le clerc conciliaire n'a pas envie de convaincre Gadel Malais qui doit sauver son âme en devenant catholique. C'est le vrai visage de la secte. C'est le vrai visage de la secte. Ce film est utile pour ça. Maintenant, on en arrive au point négatif. Premier point négatif, c'est qu'on ne parle pas beaucoup de Jésus-Christ. Or, pour quelqu'un qui se questionne, euh, M. gadal moi je vous pose la question, Jésus-Christ est le Messie, oui ou non Voilà, cette question aurait dû être posée, clairement, elle n'est pas posée. La réponse est oui, je précise. <laughs> Alors ensuite, gadal songe comme prénom de, de baptême à Jean-Marie. Pourquoi Jean-Marie Jean-Marie viennet Pensez donc, Jean-Marie, Lustiger, Alors là, c'est carton rouge, c'est 0 sur 20. Hein. Lustiger c'est la guimauve. La guimauve moderniste neuneu, c'est le chloroforme, vous voyez. Euh, stop, quoi. Voilà. Ça, mon cher Malet, c'était hautement indispensable. Autre chose hautement indispensable, à un moment donné, dans un échange avec un de ses amis euh, juifs, Malet dit Mais qu'est-ce que tu fais du Concile Vatican II Et des demandes de pardon de Jean-Paul II. Ah bah nous ce qu'on en fait, monsieur, mon cher Malet, c'est poubelle belle Et mon cher Gadel Malé, l'église n'a pas à faire d'excuses parce que l'église est immaculée. Nous, pécheurs, nous avons des excuses à faire. L'église n'a aucune excuse à faire. Elle est immaculée ces deux fois. Il me semble que Pion se le rappelle dans Mortal Animos si ma mémoire ne me trompe pas. Ensuite, ce qu'il de plus négatif, c'est le message. Euh, alors attendez, avant de parler du message final du film, Gadal nous dit. Avoir la foi, c'est avoir le doute. Bah non, cher Yadel c'est l'inverse. Pour tout ce qui concerne la révélation, on n'a aucun doute en matière de foi. Hein Bref. Donc, le plus négatif, vous disais-je, c'est <coughs> le message du film. Puisque le message du film, c'est qu'on peut euh, se convertir sans se faire baptiser. Et à un moment donné, euh, à ce sujet, on a par exemple une intervention d'un journaliste du Monde qui est connu, qui s'appelle, je crois, Frédéric, euh, je ne sais plus si c'est Leclerc ou Le Noir, pardonnez-moi, où il nous dit que Simone Veil, la philosophe. Et Bergson, les philosophes, étaient des juifs convertis mais non baptisés. Très mauvais exemple, euh, mon cher euh, journaliste du monde. Pourquoi Le premier, c'est que Simone Weil déjà, est morte d'une maladie relativement jeune, donc elle n'a pas pu aller au bout de son cheminement. Et Bergson, c'est un mauvais exemple, puisque, euh, par sa philosophie fausse, il a contribué à influencer le pape du modernisme, qui est euh, Maurice Bondel. Donc franchement, très mauvais exemple. Alors, un mot quand même sur la scène finale. La scène finale, c'est une messe dans laquelle quatre catéchumènes, enfin, messe, fausse messe polis, hein, dans laquelle quatre catéchumènes doivent se faire baptiser. Et dans ces quatre catéchumènes, il y a Gadel Malet qui a fait venir sa famille. Bon. Et donc pendant la entre guillemets messe, alors avec guitare chant et compagnie, hein, blabla, euh, Gadel Malet à un moment donné s'effondre euh, en, en, en larmes et il se jette dans les bras euh, du clerc conciliaire et il lui dit quelque chose à l'oreille. On n'entend pas ce qu'il dit, mais on devine. Gadel Mallet retourne s'asseoir, et quand le clerc conciliaire appelle les, les catéchumènes pour aller se faire baptiser, eh bien, il n'en appelle que trois, et, et Gad Elmaleh n'est pas appelé, et il reste assis sur sa chaise. Et il ne se fait pas baptiser. A-t-on vu, chers amis, une scène plus dramatique dans le cinéma français A-t-on vu A-t-on vu une, une scène où on refuse. Euh, la porte euh, étroite, Je veux dire, on refuse la porte euh, du salut. C'est une scène absolument dramatique. Mais elle n'est pas dramatique pour les conciliaires, Pourquoi Parce que c'est l'enseignement de la secte, ça, chère Jenny. C'est l'enseignement de la secte moderniste. Pourquoi Gadel Malet pense-t-il pense cela Pourquoi déclare-t-il euh, 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 au JDD que l'on peut être converti de cœur sans être baptisé Pourquoi dit-il tout cela Parce que c'est l'enseignement de la secte conciliaire sur la question juive. Et là, nous arrivons, chers amis, euh, à la troisième partie de mon propos, qui est donc l'enseignement de la secte sur la question juive. Cet enseignement a été donc compilé, résumé, synthétisé dans un document en date du, euh, 10, octobre, euh, du 10 décembre pardon, 2015. Et ce document, nous allons l'analyser ensemble. Alors, le texte commence par nous dire que les rapports entre l'Église et le judaïsme ont changé depuis Vatican II. Pourquoi Vatican II est un renversement théologique hérétique. Selon la religion catholique, hors de l'Église, il n'y a pas de salut. Et les fausses religions sont des mots. Qui ont vocation à disparaître parce qu'elles damnent. Les fausses religions sont nocives aux âmes, elles damnent. Selon la religion moderniste, exprimée dans Vatican II et développée ensuite dans le magistère, dans le pseudo-magistère conciliaire, hors de l'Église, il y a un salut. Et les fausses religions sont des biens, notamment parce que par le bien qu'elles conservent, elles permettent de se rattacher à la religion moderniste du salut universel. Au point 2 du document, on nous parle, citation, de l'estime fondamentale à l'égard du judaïsme exprimée dans Nostraitate, donc Nostraitate, document de Vatican II. Estime fondamentale à l'égard du judaïsme. C'est fascinant. La secte conciliaire dit qu'elle a une estime fondamentale pour une fausse religion qui a été condamnée par l'Église catholique. Donc ce que l'Église catholique. Condamne, la secte conciliaire l'approuve et exprime son estime à son égard. C'est extraordinaire. Et après, on nous dit qu'il n'y a pas discontinuité euh, doctrinale. Donc je répète, l'Église catholique condamne la fausse religion talmudique. Dans Nostra et exprime, on exprime, euh, exprime l'estime fondamentale pour cette fausse religion. Alors, posons-nous la question, cette estime est-elle partagée Le judaïsme talmudique est une réalité complexe, disparate, divisée, alors on ne peut pas faire de réponse unique, on ne peut pas faire d'amalgame pour apprendre les mots du système, on ne peut pas de faire de réponse globale. Mais je note que deux rabbins qui se sont exprimés sur le film de Gad Elmaleh n'ont pas exprimé un message d'estime à l'égard du catholicisme, ils ont même prononcé... Des, des, euh, des, ils ont eu des propos extrêmement graves contre l'Église, aussi graves qu'infondés. Puisqu'ils disent, disent que le catholicisme est une religion idolâtre, ils prétendent qu a commis, que la religion catholique a commis des massacres, alors que l'Église, je le rappelle, est immaculée. Donc attaque extrêmement grave et infondée. Donc je note que cette estime n'est pas partagée par tous. Ensuite, le document à plusieurs reprises nous évoque les racines juives de l'Église et de la foi. Il faut être extrêmement précis, chers amis, et dissiper l'équivoque, car le catholicisme, si vous, enfin pardon, parce que tout ce document repose sur cet équivoque pour diluer la pierre d'achoppement qu'est le Talmud et plus largement le rejet du Christ. Il est exact, rigoureusement exact, que le catholicisme soit le successeur du judaïsme antique, de ce qu'on appelle le mosaïsme, la religion du temple. Oui, le catholicisme est le successeur de, euh, du mosaïsme, mosaïsme qui préparait à l'avenue du Messie, à l'avenue de Jésus-Christ. En revanche, le catholicisme n'est pas le successeur et n'a aucune racine dans le pharisaïsme, qui lui est l'ancêtre du judaïsme talmudique explication le pharisaïsme n'était pas la religion du temple ce n'était pas le judaïsme antique le pharisaïsme était un courant déviant du mosaïsme qui ajoutait une pseudo tradition orale à la loi avec un grand l et avec le sanhédrin principalement ce sont des pharisiens qui vont livrer le christ aux romains pour son exécution Suite à la destruction de Jérusalem par Titus, les sadduciens et les pharisiens vont être balayés, mais les pharisiens vont se regrouper et se réorganiser dans un événement qui s'appelle l'Assemblée de Yavna. Et dans cette Assemblée de Yavna, euh, donc le principal euh, protagoniste sera un individu qui s'appelle Yohanan ben Zakei. Et à ce moment-là, les pharisiens vont jeter les premières graines de ce qui sera plus tard le judaïsme talmudique. Donc en résumé, oui, Abraham, Moïse, les prophètes, le roi David, etc., sont nos frères aînés dans la foi. Et oui, il y a une continuité spirituelle entre eux et nous, entre eux et l'Église catholique. Mais non, les pharisiens, Yohanan Ben-Zakehi, Hillel, Chamaï ne sont pas nos frères aînés dans la foi. Il y a un antagonisme spirituel, théologique, entre eux et l'Église catholique. Et cet antagonisme théologique, c'est ce que le document dilue par l'équivoque, enfin masque, gomme par l'équivoque, bah, tout le long euh, des pages. Poursuivons. Au point 17, dans ce document on nous dit que catholicisme et judaïsme ont le même terreau. Nous l'avons vu à l'instant, ceci est inexact. La source, enfin l'origine, si je puis m'exprimer ainsi, du catholicisme, c'est euh, le mosaïsme. Mais le terreau du pharisaïsme, du judaïsme pardon, c'est le pharisaïsme. La secte poursuit, et au point 27, elle ose écrire que... Euh, la nouvelle alliance ne révoque pas les alliances antérieures. Donc elle nous dit que l'ancienne alliance n'est pas révoquée. Et ceci est maintenu au point 33, puisqu'on nous dit que l'alliance abrahamique, en réalité, a été étendue à tous. Et donc on nous dit clairement hein, que la première alliance n'a jamais été révoquée et qu'elle demeure toujours valable. Question, que dit le magistère de l'Église à ce sujet Question simple. Et bien on va voir ce qu'il nous dit. Et on va attaquer le texte Myth Brennender Zorgeux, qui nous dit ceci. Myth Brennender Zorgeux nous dit que dans la Nouvelle Alliance, l'Ancienne Alliance trouve son accomplissement, son couronnement et son terme. Son terme, donc sa fin. La Nouvelle Alliance met un terme à l'Ancienne Alliance. Donc, si l'enseignement de l'Église nous dit. Que l'ancienne alliance a bel et bien été révoquée. C'est ce que nous dit notamment Pie XI dans *Mit under Zorgue. J'ajoute que Pie XII dans Mystique, Corpus Christi* nous dit que l'ancienne la, loi est morte sur la croix. Et la preuve que euh, il y a bel et bien deux alliances distinctes et non pas une alliance qui a été étendue, c'est que le signe de la première alliance, de l'ancienne alliance, de l'alliance abrahamique, c'était la circoncision. S'il y avait eu une simple extension de l'alliance abrahamique, l'Église aurait demandé aux convertis catholiques de pratiquer l'excision. Euh, l'excision. La circoncision, excusez-moi, je suis fatigué là. La circoncision. Or, ce n'a pas été demandé. Donc, c'est bien la preuve que ce sont deux alliances différentes, et non pas une qui a été étendue. Donc, l'ancienne alliance a été révoquée. Point, barre. C'est l'enseignement de l'Église, et c'est une hérésie de la secte que de prétendre le contraire. La secte poursuit sur sa lancée. On nous dit qu'il y a le même terreau entre catholicisme et judaïsme Talmudique. On nous dit qu'il y a une même alliance, ils vont plus loin, chers amis. Ils vont jusqu'à dire ils vont jusqu'à dire que catholicisme et judaïsme Talmudique appartiennent au même tout. Ils vont jusqu'à dire que le judaïsme talmudique appartient au catholicisme. Vous pensez que, que j'exagère Eh bien, allez donc lire, allez donc lire le point numéro 20 qui nous dit ceci. Le dialogue juif-chrétien ne peut être qualifié qu'avec beaucoup de réserve de dialogue interreligieux, au sens propre. Il faudrait plutôt parler d'un dialogue intra-religieux ou intra-familial sui generis. Dialogue intra-religieux, ça veut dire qu'on est dans le même cadre, on est dans le même groupe, on est dans la même religion. Et ceci nous est confirmé par Vostila, Jean-Paul II, dans un discours à la synagogue de Rome. Le 13 avril 1986, il nous dit ceci. La religion juive ne nous est pas extrinsèque, mais d'une certaine manière, elle est intrinsèque à notre religion. Il nous dit que la religion juive, talmudique, appartient à la religion catholique. Et là, on comprend Gad Elmaleh. Il se dit déjà converti puisqu'on lui dit que sa religion appartient déjà au catholicisme. Il n'y a pas besoin de se faire baptiser puisqu'il appartient déjà au catholicisme. C'est une conséquence logique. Plus loin, on pousse toujours la logique, et que nous dit la secte Au point 36, on nous dit Hors de l'église, il y a un salut, car dans la synagogue, il y a le salut. Ils osent dire ceci, chers amis. Point 36, citation Dans la profession de foi chrétienne, euh, de la profession de foi chrétienne, pardon, qu'il ne peut y avoir qu'une seule voix menant au salut, donc Jésus-Christ, il ne s'ensuit d'aucune manière que les Juifs sont exclus du salut de Dieu, parce qu'ils n'ont pas reconnu en Jésus-Christ le Messie d'Israël et le Fils de Dieu. Plus loin, du point de vue théologique, le fait que les Juifs prennent part au salut de Dieu est indiscutable, mais comment cela est-il possible, alors qu'ils ne confessent pas explicitement le Christ, et non seulement ils ne le confessent pas, mais ils le rejettent, demeure un mystère insondable. Donc on nous dit, mot pour mot, c'est un mystère insondable, mais hors de l'Église, il y a un salut, car dans la synagogue, il y a un salut. C'est la religion du salut universel. C'est la religion moderniste du salut universel, chers amis. Et une fois encore, on pousse la logique, et la secte nous dit, il ne s'agit pas de déployer des efforts missionnaires pour convertir les juifs. La secte nous dit qu'elle n'appelle pas à convertir les juifs. Alors que c'est ce que l'Église a fait tout le long de son histoire. C'est redit plus loin. En pratique, cela signifie que l'Église catholique ne conduit et ne promeut aucune action missionnaire institutionnelle spécifique en direction des Juifs. Ils ne veulent pas les convertir. Pourquoi Parce qu'on nous enseigne que euh, le judaïsme Talmudique appartient à la religion catholique. Mais c'est criminel. C'est criminel contre les âmes de dire cela. On voit que Gad est trompé par les modernistes. Et mon cher Gad de grâce, de grâce, de grâce. Si vous nous écoutez, faites-vous baptiser au sein de l'Église catholique, pas dans la secte moderniste. Donc, je résume. Sur la question juive, la secte conciliaire prétend qu'il y a le même terreau, la même alliance, la même religion. Voilà. Et résultat, la secte conciliaire ne cherche pas à convertir les Israélites. Alors que l'Église, je le répète, pendant 2000 ans, a toujours cherché à les convertir. C'est absolument criminel contre les âmes hein, désintéressées. Donc la conclusion, chers amis, bah, vous la devinez. Hein euh, la conclusion, c'est que Gad Elmaleh est trompé par les modernistes. Il faut à tout prix, s'il veut sauver son âme, bah, qu'il devienne catholique, et qu'il meurt en grâce, comme, comme tout un chacun. Et nous appelons, bah, nous appelons, chers amis, tous les non-catholiques qui nous regardent, juifs, musulmans, de quelque religion que vous êtes. Euh, ou athées, euh, je dirais, euh, qui n'ont pas eu la chance de naître dans une famille catholique, nous vous invitons, chers amis, à vous faire baptiser au sein de l'Église instituée par Jésus-Christ, et non pas au sein de la secte conciliaire. Et non pas non plus, d'ailleurs, dans les sectes févristes en passant. Voilà. Donc, nous vous appelons, chers amis, euh, juifs, musulmans qui nous écoutez, eh bien, à vous faire baptiser et à rejoindre l'Église du Christ. Aucun homme de bonne volonté n'étant trop dans l'Église. Voilà. Nous sommes tous euh, appelés, je dirais, euh, à devenir catholiques. Donc, faites-vous baptiser, devenez catholique, vivez en état de grâce. Un catholique ne peut pas vous tenir un autre discours. Un moderniste vous tient un autre discours. Mais un catholique ne peut pas vous tenir un autre discours, chers amis. Tout le monde est le bienvenu dans l'Église catholique. Enfin, tous les hommes de bonne volonté, en tout cas, sont les bienvenus dans l'église catholique et c'est dans l'église chers amis que le bon Dieu vous attend c'est là qu'il vous attend pour sauver votre âme voilà bah écoutez je crois que j'ai terminé euh, l'émission était très dense hein, pardonnez-moi si j'ai pas été parfois très clair mais euh, quand c'est dense et en plus tard le soir après une journée de boulot on est fatigué et donc on n'est pas toujours au top voilà Alors attendez petit message je regarde si c'est en lien avec l'émission ça c'est encore autre chose euh, voilà donc, ben euh, je pense qu'on a terminé sur le sujet, Pierre de euh, Et est Il est tard, mais on va prendre deux ou trois petites questions sur le sujet si éventuellement il y en a. Oui, on peut remercier aussi Anne-Marie Longo pour son don et Adrien Galien pour son don. Euh, y a, Adrien Galien demandait d'ailleurs pourquoi le site des éditions Attitude n'était pas en ligne. On en reparlera dans quelques mois. Mais euh, si vous voulez des bouquins des, des bouquins, des éditions Altitude, il en reste sur le site euh, du collectif saint là. Ouais, Quelqu'un voulait les paroles de Pape, mais tu m'as dit... Que tu euh, il sera réédité, réédité bientôt édité. et il sera sur le site du CSRB. D'accord. <coughs> euh, Est-ce que tu as un commentaire à faire sur la vidéo du, de la Bériou sur le film de Gad malé mallet euh, Je l'ai plus trop en tête, euh, donc pas spécialement, mais bon, euh, la Bériou, euh, je pense qu'il y des choses qui sont factuellement fondées. Hein d'accord. une question d'Edouard pipard qui demande si euh, il faut forcément être baptisé par un prêtre catholique. dit non ah, il a écoutez, euh, oui, euh, dans l'idéal, quand même, parce que sinon vous ne mettez pas... Euh, on peut toujours aller derrière dans l'église, mais c'est pas l'idéal d'être baptisé par un prêtre conciliaire ou le euh, surtout que si vous faites baptiser par un prêtre euh, conciliaire, il ne va pas vous appliquer euh, les compléments de baptême, des exorcismes notamment. Hein. donc, euh, oui, 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 puis surtout euh, il faut pas commencer votre vie... Euh, de baptiser dans une secte. Enfin, je sais pas, ça me semble de bon sens, quoi. Voilà. Donc, euh, allez être dans l'église catholique, chers amis. C'est la question de la, de, de la validité en elle-même, est-ce que c'est validé ou Le baptême chez les conciliaires est valide, mais comme il n'est pas fait par un prêtre validement ordonné et comme on applique le nouveau sort de mycée, il n'est pas appliqué, donc, aux au baptis, enfin, au baptisés tout court, pardon, euh, les compléments de baptême, qui sont des... Euh, qui sont des, pardon, des... Euh, Exorcismes. Alors, dans les euh, communautés éclésade, on utilise ce rite, mais comme la plupart des prêtres dans les communautés éclésade ne sont pas validement ordonnés, eh ben, les exorcismes ne sont pas faits au final. Voilà. Alors. Euh, je fais défiler. Euh, oui, Casiludo, euh, concernant l'art chrétien, conseil. Euh, d'inviter Didier Rickner de la tribune de l'art qui dénonce lui aussi le vandalisme conciliaire dans les édifices religieux. Je ne connais pas le dossier à vrai dire, de ce... je ne connais pas cette heure mais je crois que ce n'est pas la première fois qu'on m'en parle. Oui. Euh, sacré cœur de mon cœur, bonsoir monsieur Abosi et sainte nouvelle année. Merci. Ah oui non, bon, c'était pour la réédition de Parole de Pape, tu as répondu. Quasiludo euh... te demande de mettre une note sur 10 au film de Gad Malheur. Je ne euh, vais pas vous dire que j'ai passé un moment extraordinaire, hein. je l'ai... <laughs> Je suis pas critique cinéma, euh, donc bon, c'est dispensable. Hein. Comme comédie, je préfère Louis de Funès. Hein, je vous le dis, voilà. J'adore Louis de Funès. Pas vous hein. oh, si, si. Louis de Funès est pour moi un génie. Je veux dire que c'est un génie. De même qu'un auteur doit avoir un style, un bon acteur doit avoir un style. Et c'est-à-dire que dans tous les rôles qu'il joue, euh, on retrouve son style. Il y a ça chez De ParDieu, il y a ça chez Jean Gabin, et il y a ça chez de Funès. Vous voyez c'est-à-dire le mec de mauvaise foi, vous voyez, qui est euh, <laughs> euh, gentil avec les forts, euh, mais mesquin avec les faibles, euh, voilà. Moi, euh, pour moi, de, de Funès, c'est un génie ultime. Il a marqué mon enfance. Il a contribué à, à ma francisation, voilà. Et je passe toujours un bon moment euh, à regarder ses films. Et ça ne vieillit pas, lui Funès. C'est extraordinaire. Ses mimiques ne vieillissent pas. Euh, ses blagues ne vieillissent pas. Euh, par un simple mot, il peut vous faire exploser de rire. Par Un mot tout simple, hein, qui n'est pas euh, les blagues bien grasses qu'il y a des gens qui font des stand-up aujourd'hui, si vous voulez, c'est un génie pur, pour moi, Louis de Funès. Voilà. Alors, et d'ailleurs, Louis de Funès, euh, a, quand il est mort, je crois, a donné une partie de ses biens à la Fraternité saint -Pilice. Alors, on connaît les réserves qu'on a sur la Fraternité, mais retenons la bonne volonté qu'il avait par rapport à l'Église. Voilà. Euh. Si François pensait vraiment que tout le monde serait sauvé, ça n'aurait aucun sens qu'il dise que les mafieux iront en enfer. Mais la secte concilière pratique le double discours. Donc, quand elle s'adresse très souvent aux catholiques conservateurs, aux conciliers conservateurs, on évoque certaines vérités catholiques, mais dans d'autres textes, c'est nié. Et Bergoglio l'a dit, mot pour mot, que tout le monde sera sauvé. Il l'a dit notamment dans une conférence de presse, si vous voulez. Et n'oublions pas que la secte concilière professe le salut universel parce qu'elle considère que la grâce sanctifiante est naturelle à l'homme. Elle ne peut pas être perdue. Et quand moi, je rappelle que par le péché mortel, on perd la grâce sanctifiante, mes contradicteurs conseillers me disent que je suis janséniste. <laughs> C'est quand même extraordinaire. C'est un dogme défini dans le Concile de Trente. Voilà. Et je renvoie à l'émission que j'ai faite sur Jean-Paul II, et Jean-Paul II, d'ailleurs, avait dit expressément lui aussi que tout le monde serait sauvé dans un message à l'Asie, notamment. « J'ai eu le bac à 7 ans, demande. Que pense Adrien de la profession du vicaire savoyard, écrite par Rousseau dans les Mille Ah, je ne l'ai pas lu. J'ai que... lu Rousseau, mais c'était il y a plus de 15 ans, chers amis. Donc, euh, c'est pas très frais dans ma tête, forcément, tout ça. Hein. Voilà. Euh, « Monsieur G, j'ai écouté la radio RCF, Radio Catholique Francophone, hier. Leur discours a été très ambigu, notamment, ils disaient qu'au IIe siècle, après Jésus-Christ, que les chrétiens mangeaient cachère. Est-ce vrai ?» qu est -ce, quoi. N'importe quoi. Il y a peut-être quelques chrétiens qui avaient conservé des traditions juives, c'est possible, mais globalement tout ça avait été aboli. Voilà. Bon, beaucoup de commentaires. L'ancienne euh... loi a été abolie sur la croix. L'ancienne loi est morte sur la croix, puis 12 nous le dit dans Mystique Corporis Christi. Petrice demande si le baptême orthodoxe est valide. Est Il est valide, mais n'allez pas dans des sectes, cher ami. Écoutez. Euh... Euh, c'est tout pour les questions que je note. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter à la pire parce que l'émission de ce soir est déjà très longue oui. et très dense. Donc, franchement, chers amis, n'hésitez hein, euh, pas euh, à la revisionner parce qu'on euh, a dit beaucoup de choses ce soir. Et bah, si vous voulez nous aider, c'est très simple, hein. il suffit de relayer. Voilà, mettez un pouce bleu, mettez un commentaire pour, bo pour booster un peu l'algorithme. Et euh, soyez cool, <laughs> relayez l'émission. Vous, vous avez ce pouvoir de relayer une parole euh, de vérité. Alors bon, certes, tout ce qu'on fait n'est pas parfait. Hein, euh, mais euh, voilà, donc si vous avez ce pouvoir, n'hésitez pas à relayer. Je sais que beaucoup d'entre vous ont peur de relayer. Vous avez peur des conséquences sociales. Vous avez peur de l'ostracisme. Mais voilà, euh, on défend la vérité catholique. Et on a besoin de vous. On a besoin de vous. Donc euh, n'hésitez pas voilà, euh, à exercer ce pouvoir. Bref, chers amis, on se retrouve dans deux semaines. Donc n'oubliez pas aussi le CD de Fleur d'Épine. Et n'oubliez pas que nos amis du CSRB ont réédité ce très très beau catéchisme, très agréable à la lecture, de saint -Pélis de 1905. Voilà. Je vous dis donc à dans deux semaines. en Dieu, hélas, plus du tout dans ses prêtres, Il s'est glissé chez eux des Judas et des traîtres, Un vent d'Est soufflé glacial qui dénature leurs sermons inspirés par la nomenclature Et s'ils lèvent encore leurs mains jointes au ciel, Le capital de Marx et leur nouveau missel. Et s'ils lèvent encore leurs mains jointes au ciel le capital de Marx et leur nouveau mystère. Je vous salue Marie, pleine de grâce, que votre nom soit sanctifié. Je vous salue Marie, oui mais de grâce, de vos prêtres il faut vous méfier. Je crois en Dieu, hélas. Plus du tout dans ces hommes. Et nos enfants non plus ne passent plus par Rome. Ils ont pris des sentiers à l'écart des touristes. La voie sacrée a pris des allures de piste. Où est le rassembleur de Messie le verger qui récupérera ses brebis naufragées